Depuis plusieurs jours, la commune de Carrefour est le théâtre de violents affrontements entre la police et des gangs. Les affrontements les plus violents ont eu lieu dans le quartier de Bizoton 53, non loin de la marine haïtienne. Les bandits ont lancé un déluge de feu sur la marine après la riposte des policiers. Des tirs d'armes automatiques ont été entendus jusqu'à midi ce mercredi 31 mai dans des quartiers de Dikini et de Bizoton. Un imposant dispositif sécuritaire a été déployé dans des quartiers limitrophes de la marine haïtienne. La circulation automobile était paralysée sur l'axe routier principal de Carrefour. Suivez les explications du porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers. Selon toute information que l'on gagne, d'assemblée policier agent 1, Auxil Frenzy, 26e promotion, PNH là, qui est affecté dans Carrefour et il était dans sécurité, commissaire Carrefour. Ça arrivait au niveau Bizoton aux environs de 1h30. Alors, premier élément d'information que le commissaire a partagé avec moi, selon Yves Rayo, le policier était à bord en moto en direction de quatre côtes et puis une machine qui frappait. Moto a, et puis moto a tombé, et policier a tombé, et yo l'ouvrit zam sur policier, hein, et côté que yo allait à Koa. Effectivement, hier soir, très tard, le commandement t'a évalué la situation, hein, et il était en contact avec Gatcote, également commissaire Carrefour, côté que monsieur qui armé, individu armé bandit, yo, yo était dans les hauteurs, côté que il a tiré en direction Gatcote. Et les policiers eux-mêmes ont abrité pour d'abord protéger l'espace. Et nous sommes en contact avec le commissaire Carrefour. Et toujours des tirs. Et au niveau de la police, nous avons fait tout effort pour que nous soyons capables de prendre contrôle de la situation hein, parce que nous avons des tirs. Et nous avons toujours dit que dès que nous avons des tirs, nous riverons la population pour que nous soyons très prudents et pour que yo pas exposé yo à théâtre événement. Mais au niveau de la police, hier soir, très tard, nous avons évalué la situation. Hein, et probablement, pas qu'on ait commandé pour le moment, mais avant justement de venir dans la conférence, nous avons parlé avec le commissaire pour demander comment la situation est. Et heureusement, et pas gagné un policier victime, mais tu as gagné tout une équipe qui est venue renforcer. Et au fur et à mesure, n'a pas, disons, multiplié et renforcer de manière pour que ce soit au moyen logistique, également au moyen physique.